Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour, ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo sur Subnautica. On va aller fouiller l'Aurora aujourd'hui, donc on a tout ce qu'il faut, on a le canon, le machin, le bidule, le truc. On va mettre ça là, vu qu'on n'aura pas trop besoin, on va mettre ça en 5, hop, et on part. Donc dans la fouille de ce gigantesque vaisseau, vous allez voir qu'il y aura plein de choses à y faire. Je pense qu'on aura même plusieurs fois à y retourner. Vu que bah voilà, ce sera, c'est quand même un comment dire, un point d'intérêt, on va dire ça comme ça, extrêmement important, extrêmement ça c'était pas prévu. On s'est trompé ici. Je peux pas me le dire. De bureau, vas-y, pourquoi pas. Fais péter la chaise de bureau. J'avais dit l'Aurora, faut qu'on se dépêche alors. T'as quelque chose à me présenter, tu me le présentes tout de suite par contre. Pas l'air très gros, cela dit le truc. Glide. Étonne que ce soit que le Sea Glide ici. Vu. La réparation, je reviendrai. Je reviendrai. Alors, de mémoire, il y avait une entrée en profondeur. Pas loin, par là. Est-ce qu'elle y est encore ? Où il est ? Me faire gueuler dessus, donc où il est. Il est un peu fifou lui, hein. Sans vouloir le vexer. Moi je prends. Pont de Cyclope, c'est extrêmement intéressant, là je peux pas passer à côté. Désolé si je m'arrête pour ça, mais... Non. Allez. Wouhou. Allez, on plonge. Hop. On a que deux, cela dit. Embête. Casse-toi. Fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, te dis donc, hein. Débris. Débris. Sel. Y'a quelque chose là-dedans? Canon à propulsion, tiens donc. On va pas trop s'écarter. Vaisseau, je voudrais pas en louper l'entrée. Vous voyez, j'ai déjà... Ah, la vache. Le fait qu'il fasse nuit m'emmerde, autant vous le dire. Débris. C'est vrai que ce soit autre chose. Le fait qu'il fasse nuit m'emmerde un peu. Empêche de correctement me repérer. Aïe, aïe, aïe. Ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est du titane. Du plomb, pardon, oui, excusez-moi. Le survie 13. Une pile? Cool. Ça va pas de me donner une pile comme ça. Alors je sens que je m'écarte. Qui n'est absolument pas une bonne chose. Comme j'ai l'impression d'avoir loupé. Ok, il est encore loin. Encore long de vaisseau. Alors je sais pas s'il l'avait rebouché, hein, peut-être. Quoi?
C'est marrant, vous vous mettez pile poil avec des choses intéressantes. Ça semblait plus gros que ce que ça semble. Parce que ça. Que ce que ça voulait paraître, ça. Mais bon, ce n'est pas. Non. Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Ah bon. Dommage parce que j'ai autre chose à foutre. De nuit, c'est pas beau. Enfin, c'est très très beau, justement. Et c'est moi. Ah, j'ai l'impression qu'il est parti dans le bon sens. Je m'en vais. Je m'en fuis. T'entouais dans ses bras, tu t'enfuis. Pas grave. C'est pas grave, on va passer par l'autre sens. Je le sens pas. Je le sens pas. Enfin, je vais pas me forcer si je me sens pas. Je sens qu'il y a des grosses bébêtes qui veulent pas ma vie. Et encore moins ma survie. Donc je vais me forcer. C'est pas grave. Vous m'en voulez pas. Vous m'en voulez. Casse-toi, j'ai pas peur de toi. J'ai plus peur de l'immensément gros que du machin de ma taille. Oui, oui, je respire. Respire, tu respires, calme-toi. Hop. Ah. Mais non, mais en fait, je vous ai bien eu, c'est juste pour chercher le dernier bout hein, que j'ai fait ça. Vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas peur. Pas du tout. Si j'étais un développeur. Voilà d'être la forme, mon pote. Si j'étais un développeur, je planquerais quelque chose là. C'est pas l'endroit qu'on a visité tout à l'heure, ça? Il semble, hein. Il semble, il me semble. Ça! C'est pas un bruit que je connais. Du coup, ça, j'aime pas. On est déjà arrivé au bout? Bon bah... Prenons nos couilles à deux mains, chers amis. C'est parti. Ça va, en fait, de ce côté-là, c'est encore pire, hein. faut se le dire comme ça. Hein. De ce côté-là, le danger est bien pire. Hein. Vous allez peut-être le voir plus rapidement que ce que je pensais. J'adore, on y voit que Pouic. J'ai les boules. Je l'entends. Pourquoi? Oh! Il m'a vu! Bon. Je vais prendre ton seul point faible. Plus jamais. Tu m'attaqueras comme tu viens de le faire. Ton point faible, c'est quoi? C'est les Peeper. Les Justin Peeper. Quand tu lui offres un Justin Peeper, il te laisse tranquille. Non, non, tu ne t'enfuiras pas. Tu es mon salut. Justin Peeper
et mon salut. Par conséquent, tu ne fuiras point. Et cessez. Moteur, je prends. C'est bon. Est-ce que j'ai tout ce que je cherchais? Je sais que je suis pas dans une bonne position pour faire ça. Donc plus que un dernier bout. On boit un coup. En espérant pas me faire bouffer en même temps. On mange pas tout de suite. Et on y retourne. Piti piti! Piti piti! Piti piti! Piti piti! Je suis pas dans le bon côté. C'est ce cul, c'est ce cul. Piti piti! Piti piti! Selon vous, pourquoi j'ai pris deux pipeurs? Bien que je rentre. Non? Piti piti! Je sais bien que c'est pas la forme. Oh, c'est chromé. Je l'aime pas. Y'a qui vont me dire, mais si tu l'aimes pas, pourquoi tu l'appelles, Marcus? Je peux pas faire autrement. Il vaut mieux qu'il vienne et qu'il repart. Ça a l'air intéressant ça. Nope. Nope, rien d'intéressant là-dedans. Ah non. Alors j'ai peur de l'avoir emmené trop près de la maison. Super près de la maison. Je sais pas si... voir un truc là-bas. Non, toi, je m'en moque. Bien que tu puisses me défendre potentiellement, je m'en moque. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends. Casse-toi! Apparemment, je les ai pas scannés, si. Et non, en plus, pff, je l'ai déjà. Mais t'es pas censé être ouvert d'un côté pour que je puisse... Ah, peut-être qu'on y est. Peut-être qu'on y est. Pas la grosse bébête. Ok. Il voit une raie céleste, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas comment. Ok. Ça sent le gros bug. Quoi? Aïe. Je suis cogné. Bon. Avoir plus ou moins disparu, j'accélère.
J'ai l'air d'avoir un passage ici pour grimper. Je grimpe. Pfff. C'est pas censé être ouvert en deux. Je veux dire, je pensais avoir un endroit pour rentrer là-dedans. Il est pas encore cassé? On l'a vu se casser, on l'a vu exploser, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un power transmitter ici, donc c'est cool. Hop. Me dis pas que j'en ai fait un tour pour rien. Là par contre le jeu me... m'inquiète. Normalement il est censé être ouvert. Non? J'étais trop vite? Oula, bah battez-vous autant que vous voulez les mecs, moi je... je ne fais que tracer hein. Ma route. Bon bah en fait quand j'étais tout à l'heure, en fait j'étais juste au bon endroit. C'est ça que t'es en train de me dire? J'ai un peeper, hein, fais gaffe. Il y en a pas un seul dans le coin, vous avez remarqué qu'ils étaient tous chassés. Tous bouffés. Tous les peepers. Et bizarrement c'est gigantesque dans le coin. Ah, assez. On va taper. Pourquoi il y a la place pour qu'ils viennent me voir ici? Bon, on est au bon endroit. On est au bon endroit. Ça fait déjà un quart d'heure. On est au bon endroit? Il a pas l'air encore suffisamment cassé pour que je puisse grimper. C'est quoi ce bordel? Non, il y a un truc qui va pas. T'es venu trop tôt? C'est le désavantage de l'early access. On a l'impression de pouvoir faire des choses alors qu'en fait on ne peut pas. À moins que, attendez. Ah ah, on y est. On y est, chers amis, on y est. On est bon. Fais gaffe, hein, j'ai des peepers et je sais m'en servir. Hein. Aïe. Voilà, on m'avait dit que c'était des menaces. Franchement. Bon, on doit pas avoir le même nom au niveau de mot menace. La même définition. Ok, la suite. C'est vrai. En plusieurs. Je peux vous assurer qu'ils ne mourront pas. Viens, viens te la mettre. Viens te la mettre. Ils sont plus violents qu'avant quand même. Vous aviez raison de me prévenir. D'accord. Ok, bon. Par contre, j'ai pas trouvé d'entrée. Ah bon, il y avait une entrée. Non? Ah oui, elle est de l'autre côté. Je me souviens. Alors cette étape sera peut-être un peu plus long que les autres. Vu que voilà, ça reste la découverte de l'endroit. Etc, etc. Faire les choses bien. Ah
un extincteur. Pardon. Hop. Ok. La porte est censée être fermée, c'est cool. Ah bon? Marche pas? Marche? Marche? Donc marche partout. Donc je devrais pouvoir éteindre tous les incendies. Ouh! Je savais plus si je pouvais. Oh! Il dit stop. Il dit stop. Et? Et en plus, il y a un conteneur là-dessous. Parce que c'est une pile. Génial. Ah non. Ah non. Et oh, les départs de feu, je m'y connais. Hein. On va attendre un petit peu pour le kit de soins. Monte. Hier. Je vais aller prendre quand même le deuxième, sait-on jamais. Hop, on est bon. Alors je sais pas s'il y aura un truc dans chacun des... Vraiment faut pas que je sois... timide. Bon. Vous pouvez pas me le remplacer par le deuxième. De manière honnête. Ok. Un datapad. Cool. Alors ça semble pas être un endroit hyper méga utile. Et je ne peux pas éteindre l'incendie, donc du coup je ne suis pas censé. Ça m'a fait tellement de dégâts cet incendie. Manquer d'y crever, hein, fallait le dire. Hein. Des fois que vous n'auriez pas compris. Alors voilà l'utilité. Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. On va s'arrêter là. Chose. De la bonne manière. Et il y a un mot de passe. Ah. On a chopé un datapad. On a le vocal. Code et indice, on n'a pas. D'accord, intéressant, document public. Plus. Oh, oh, schéma. Données géologiques, non. Données téléchargées. J'ai pas du tout de code. Donc on l'a pas. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on n'est pas dans la bonne direction. Du coup, on part dans l'autre direction. Ce n'est pas grave. Oh, putain. J'ai trouvé ça bizarre ce qui est tombé. Tu veux bien me laisser. Ah oui, donc, oui. Et ça y est, je m'en souviens. Il y avait tout un truc qui faisait que même si tu t'es agile, tu pouvais passer et ils avaient fini par résoudre ou pas le truc. Question. Donc toute la zone est un petit peu bizarre à passer, je veux dire. Ok. Progression. Ok. On est bon. Ah, non. Voilà. Oh mais oh, hé, je sais encore éteindre un incendie. Bon. La poubelle, intéressant. Super truc. Il y a un truc avec un mot de passe apparemment juste devant moi, mais je l'ignore comme si de rien n'était.
Hein, une pile? Laisse-moi passer, je veux... Terminal de données. Données téléchargées. Ouh. PDA abandonné. Ouh. Je veux ça. Voilà, merci. Alors ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas vu d'autres extincteurs. Donc j'ai pas intérêt à me planter en termes de... d'extinction. Et là j'imagine que j'ai le code. Je vérifie quand même avec l'éclairage si je vois pas d'autres extincteurs aux alentours. Ok. Voyons voir. Données téléchargées, code et indice 1, aide mémoire. 1806, 40, 400, 1454. Oh, trop de talent. Et vous allez me fournir des extincteurs, n'est-ce pas? Parce que là, c'est pas pour... chipoter, mais ça pue un peu du cul. Mais j'ai pas peur, hein. Moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien, je suis un courageux. Moteur de Cyclops. Je l'ai déjà. Il me manque autre chose. C'est pas le moteur, ça doit être la coque. La coque du Cyclope qui me manque. Oh, quelque chose ici. De la bouffe, génial. Alors je sais pas s'il y a moyen de la construire à la... enfin, ce truc là ou pas. Je ne pense pas, pour être honnête. Ça aurait été bien trop pratique. Profil. Oh oui, putain, je connais cet endroit. C'est pas drôle cet endroit. Toujours pas de... d'extincteur dans la région, non? Ça, ça va être encore le moteur. Ouais. Heureusement que j'ai trouvé des piles, hein, parce que je pense que ma... ma lampe fétiche va malheureusement prendre très très cher. Moteur. Vérifie quand même, hein, sait-on jamais. Sait-on jamais. Le jeu est suffisamment... les grappes. Tu mets, t'as des palmes, mais quand même. Quand tu veux pas, tu veux pas. Bien. Et comme tu le veux. On va recommencer. Partir du bon pied. Hop. On va prendre de la bouffe. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'ait pas plus d'extincteur. Franchement, ça me choque. Je veux dire, techniquement, on est dans une grosse machine. Donc, il devrait y avoir 2-3. Je vous avais pas oublié, vous les mecs. Tout comme j'ai pas oublié ce qu'il y a au fond. J'ai pas full life, c'est la seule chose qui me bloque. Alors que je me batte. Ok. Dégage. Seulement, je pouvais tous vous bouffer. Nom de Dieu. J'ai l'impression d'avoir été suivi. On respire. On va le mettre. 4. C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. On est déjà à 30 minutes, c'est pas grave. J'ai dit qu'il serait peut-être potentiellement un peu plus long. Heureusement, on a trouvé masse pile hein, dans le coin. Donc comme quoi, voilà, faut pas faire trop de piles. Soyez intelligent au niveau de vos piles. C'est pas parce que vous avez les quantités de ressources nécessaires qu'il est utile de toutes les faire.
Integrating new PDA data. Vraiment intéressant de prendre ça. Hop. Le banc, je l'ai. Oui, je l'ai. Dit-il après avoir dit qu'il fallait prendre un truc extrêmement intéressant à prendre. Là, il y avait un pad que je n'avais pas vu. Hop. Boost proposition. Une pile. Je prends. De l'eau. Une pile. Combien de piles sur... Oh, rempli de piles. Ça, c'est pas la fête du slip. Ah, très bien. Il y a peut-être. On cherche. Là-dedans. Y aurait-il un extincteur, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait vu un extincteur? Flottant. Malencontreusement. Je sais pas si l'extincteur flotterait, cela dit. Après, question. Pas forcément. Intéressante. Non? Vous ne savez pas? Bon, bah tant pis. Du coup, le réparateur, il est là. On va y aller. C'est pas grave. On va tenter une réparation à distance. Et pour l'instant, ça passe. On a de la chance. Les âmes. Yes! Self scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Où est-ce que je vais te trouver? Sans trop me brûler. Début. Voilà. Et de un fragment. Wouhou! Faites du slip. Il nous en faut 4. Wouhou! Et de 2 fragments. Je vois bien que je peux pas pour l'instant aller de l'autre côté de la. Ah, de la pièce. Hein? Est-ce que du coup, elle est... Bon, ça c'est fait. Le prawn, il est fait. Cependant, est-ce qu'il serait effectivement la seule chose scannable de la pièce? Je ne pense pas. Regarde déjà, rien que ça, j'ai bien fait d'y aller. Rien que pour ce coffre. Wouah! Génial! Ouf. Bon, un extincteur supplémentaire, s'il vous plaît. Ce serait vraiment sympa. Au filtré, je prends. Par contre, j'ai l'impression d'être au niveau de la ressource. Et... Ouf. Ouf. Pas mal. Un petit peu de bouffe en plus, ici, mais je vais pas la prendre, parce que je vais être trop plein, sinon. Pas d'extincteur sur les... Et pourtant il y a un truc à aller chercher là-bas. Il doit y avoir un extincteur dans la zone. Je crois que je suis presque sûr qu'il doit y en avoir un. Locked. C'est vrai où il y avait un nom? Cabine, ah non, cabine. Je crois qu'il y avait carrément le nom d'une personne, genre Céline ou un truc comme ça. Par contre, si j'ai pas d'extincteur, vous pouvez clairement aller tous vous faire hein. On sait qu'il y en aurait un peu plus. Hop, ça c'est fait. Le banc, je prends. Le lit simple. Le lit qui va être extrêmement important si on veut passer les phases de nuit. D'accord, j'ai bien dit si, et si on veut. Mais les objets les plus importants sont bien sûr les posters. Bouffe. Santé. Je me mets full, hein, tant pis. Hein. 30, 20. Non végétarienne. Est-ce qu'on peut faire... Bah non, on peut pas. On peut pas être entièrement végétarien dans le jeu aussi. Oh la vache. Imagine si tu peux faire le choix. Ah par contre, alors ça c'est un peu dégueulasse si vous me filez aucun extincteur. Avant il y avait des postes d'extincteurs.
Filez-moi autant de piles que vous voulez, hein, mais ça va pas me calmer, hein. Un sac. Cool ça, le sac. Ah non, moi c'est les extincteurs qui m'intéressent. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Devait y en avoir. Moi à l'époque, il y en avait plein le vaisseau. Un peu pété, je veux dire. Ah, il y a une cabine que pas ouverte ici. Cabine 1. Cabine 1. Code indique 12 propositions. Le code, cabine numéro 1, 1869. Pardon? Ça paye pas de pain, comme on dit. Ça paye pas de pain. Hop, on est bon. Cool. Ça a été beaucoup plus long. J'ai dit c'était quoi le code? 1869. Les âmes. Lit double. Oui, je vais le prendre, je l'ai pas. Des fois que je rencontre quelqu'un sur la planète. Un jouet. Je sais bien que je suis plein, mais quand même. Merde, tu peux quand même me laisser. Ah, elle est vide. Étagère murale, je prends. Il n'y a pas le moindre extincteur. Est-ce que c'est normal? Il n'y ait pas le moindre extincteur dans toute. Dans tout ce vaisseau. Un truc là. Au signal. Oui. Bah arrête de me donner de la bouffe, sérieusement. C'est bien pathétique. C'est bien de donner de la bouffe, hein. C'est très très bien, mais. Inventaire plein, je m'en fous. Est-ce qu'il est vraiment plein? Non. T'es en train de dire que je peux prendre des choses dans la valise? Légère murale, je prends. Disons que je prends. Elle est longue. Bon bah tant pis pour ta gueule. Et... C'est un extincteur que je veux. Un extincteur. Ça. 1806. Y'a pas de zéro. Donc j'ai pas le code de celle-là, en plus de pas avoir les extincteurs qui vont avec, j'ai pas le code. Bravo. Je dis pas. C'est pas sympa de pas filer les extincteurs. C'est vraiment pas sympa parce qu'avant ils en étaient pleins. Chaque pièce limite en avait. Ce qui est tellement plus logique. Je vais prendre la table de barre déjà. Alors là, l'alcool, il y en a. Une petite sauvegarde. N'ayons pas peur. Dit-il. Oh! Et menu du jour. Et pas dans les mots de passe. Ah oui, tu me fous de l'eau, hein, y a pas de soucis. Hein, de l'eau, tu peux m'en donner. Hein. T'as dit? Ah. Non. Ah, je les ai mis dedans. Comment j'ai fait ça? Ah là là. Apparemment. Hormis des choses qui brûlent, rien d'intéressant dans le coin. Dommage que je puisse pas prendre un ou deux trucs à bouffer dans le... Bon par contre maintenant il va falloir qu'on fasse attention aux pièces. Les pièces qui sont plus ou moins intéressantes. Là par exemple rien d'intéressant, là pareil. Une poubelle. Donc le jeu en chie parfois. Cabine 7. Là, ça semble complètement verrouillé. Donc on n'a plus qu'une pièce à visiter.
Bon. Ok. Et dans cette pièce, il y avait un PDA. Brochure du foyer. Rien qui ressemble à un code, apparemment, selon le jeu, encore une fois. Il. Donc, si vous ne connaissez pas l'importance des piles dans ce jeu, il y a un truc dessous, mais enfin bon, c'est pas grave. Apparemment, il y a rien. Apparemment, il y a rien. On check une dernière fois, hein, bien sûr. Et là, le code, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas la peine. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Préservons la fin de cet extincteur. Ah, se trouve, vous allez me dire, mais t'es passé à côté d'un million d'extincteurs. What? Finalement, possible. Possible, c'est possible. Cela dit, maintenant qu'on a le prone en entier, je sais qu'il y a un passage. Je sais qu'il y a un passage quelque part. Je crois que c'est plus ou moins par là. Persuadé que c'est. Ah ah, je le savais. Je le savais. Wow. Pas du tout, je suis censé. Je me rappelle plus du tout où je suis censé être en fait. Il y a de l'énergie là-dedans. Donner de la boîte noire. Ah bah c'était là en fait. Okay. Ça ressemble à des piles d'énergie, ça on est d'accord. On est dans la salle énergétique du vaisseau. Ah. Tant bien, je l'ai absolument bien équipé. Ah pardon. Avec les moult piles que j'ai. Ok, on s'en sort. On s'en sort plutôt bien. C'est un peu plus long que prévu. Même pas quelle heure il est, il va bientôt être 13h. Il est 13h, haha. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je vais devoir faire une coupure parce qu'il faut que j'aille bouffer quand même. Ok. C'est fait. On va aller respirer un coup. Non, je vais faire ça. Très bien, merci. La bête que je perde. Plus ou moins. Accès au labo. Téléchargeable ça ou pas? Oxygène. Incendie. Porte. Vide. Inutile. Accès au labo. 64-83. Bonjour. T'entends à travers la coque. PDA. Hop, donnez télécharger quelques leçons de tirer l'intelligence. Il y a des souhaits. C'est joli pourtant. Et que ça. Grand conteneur d'échantillons. Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Ah bon? Tu me dis je reçois un virus? Et après tu me dis que le virus il est positif? What the heck? Schéma, équipement. Combinaison anti-radiation, ça c'est bon, je l'avais déjà vu.
Installation d'habitat. Projecteur, c'est bon. Puissance. Le réacteur thermique, je les avais eu aussi. Véhicule. Tout ça, je les avais. Enfin, ça, le cyclope, je l'ai pas encore, mais je vois pas quel schéma j'ai obtenu. Il me dit que j'ai obtenu des schémas, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, j'ai trop de choses sur moi. Certains. Les jouets, tu peux te foutre de moi, je vais les garder. Bon, après. Est-ce que je devrais garder du matériel scientifique? Oh, garde les jouets plutôt, c'est plus intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les jouets sont bien mieux, non? Ce qui est dégueulasse, c'est que je suis pas scanné tout ça. Parce que vous, vous en pensez? C'est un poil dégueulasse. Non, par contre, j'ai quelque chose qui s'est amélioré, hein, clairement. Ça, on va pas se tromper. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à scanner juste? Surtout ça qui m'emmerderait, que j'oublie de scanner quelque chose. Mais bon, apparemment non. Ah, ah non, on a oublié un truc, on a oublié un truc. Passer par là, c'est pas grave. On a oublié un truc. C'est que par là, il y avait un truc à faire. Si j'arrive à grimper dessus. Oui. Ok. Hop. L'extincteur. En deux. C'est bon. En 3, le projecteur. Des fois qu'il y a un autre extincteur de poser. Merci. Et là. Pas le bon sens. Adieu. Sale bête. Dégage. Comment ça, plus d'énergie maintenant? Oh non, je suis désolé, tu projettes. On dit tu projettes, tu projettes. Voilà. Le respect, il est où dans tout ça? Bon. Que ça avait une utilité quelconque de venir ici. J'ai pas l'impression. C'est une sortie? C'est simplement une sortie à tous les coups. Donc j'ai dû louper des choses. J'ai dû louper tout un tas de choses. J'ai dû louper tout un tas de choses. Dont principalement par là, bien sûr. Hop. Que c'est atteignable seulement là-haut, je ne crois pas. Quoique. Non. Ah, ça visait. Trop tard. Non. Ah, oula, oula.
On n'y arrivera pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la grosse déception, mais c'est pas grave. Alors, c'était cependant pas la seule pièce de cette zone. Que l'on soit bien d'accord avec ça. Voilà. Il a l'air d'y avoir trop d'ennemis, j'en profite. Hop. Bon. Hop là. C'est que j'en ai tué un paquet, ce qui est une bonne chose. Génial. Simos, je l'ai déjà. Ramasser modules profondes. Oh, génial. On l'a pas encore, mais on a déjà des modules pour ça. Ça, c'est pas génial. Et ça, c'est pas génial. Journal de la suite Hervé. À tes souhaits. Simos, fragment de Simos. Pouah. Contrefou. Ok, c'est bon. A tout pris là-dedans, je pense. Progressons. Il reste encore cette zone-là à faire. Non. Pouf. On a encore ce qu'il faut. Pour une raison que j'ignore, je suis à ras du sol. Et ça m'embête. Ça y est. Et temps. Ok, on est bon. Bon, apparemment c'est bon. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais sauvegarder ici et je reviens dans quelques minutes. A tout de suite. Ok, re, chers amis, du coup, bon, oui, on était là, effectivement, c'est, je me souviens. Pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression de pas avancer. Bon, c'est peut-être dans ma tête. Ok. L'amélioration du rendement du cycle... Ah bah ça, ça m'intéresse aussi. Pas grave, j'ai mon... La super armure de la mort qui tue, n'est-ce pas? Hop là, mange. Hop là, ça prend qu'une place? Ça prend qu'une place, parfait. Cool. Bon, ici nous savons tous ce que nous allons devoir faire.
Hop, on a suffisamment de batterie pour, de toute manière. Une brèche. Intéressant. On sait pas qui nous les montrerait, mais bon, c'est pas un problème. Ce qui me fait penser qu'on a aussi un autre truc à réparer. Oui, c'est sur le chemin du retour. Et bon, on le fera peut-être une autre fois. J'ai un moyen de passer par là-bas, oui, effectivement. Bon, j'ai un moyen de passer par là. Ah bon? On peut toujours faire des retours sur le... Ah bon, bah c'est bien. Ils font bien leur boulot là-bas. Voilà, ça m'évite d'aller trop profondément dans l'eau. Aussi d'accélérer un petit peu. Hop. Voilà, entre deux. Truc. Ok. Mais il n'y avait rien. Bon bah, direction la flotte. Hein. Il y a encore ces saloperies. Si je puis me permettre. Allons-y, réparons au plus vite. Avant de nous faire mordre. Parti. Bah, on aura quand même bien avancé. Il restera juste, vous savez, les portes verrouillées. Il me reste une porte verrouillée, je ne sais pas trop où trouver le code. C'est malheureux, mais on en est là. Merde, merde. Je peux pas. Couteau. C'est bon, ça me l'a... Ok. Ça a marché. Bon bah... C'est pas prévu, mais pourquoi pas. Hello. Viens réparer, s'il te plaît. Y'a un autre qui arrive. Hop là. Peux te scanner, toi, espèce de cadavre. Ça, c'est pas un cadavre. Là. Hop. Ah. Ça ne te dérange pas, j'aimerais te... Mais merde. Vous êtes nombreux, dis donc, hein. Casse-toi. Bon, là, ça en fait du cadavre. C'est bon, je t'ai eu. Cool. Merci de pas revenir. Ils m'ont fait mal. Saleté. Saleté. Ah. Ouais, deux. Oups, pardon. On est bon. Oh, on est bon. Ouah. Allez, plus que 4. Que 3. Ouais, je cherche. Calme-toi. Oh là, j'ai vu un truc qui voulait me bouffer. Encore. Là. Et bon. Plus que 2 après celle-ci. Crac. Une. Ah, il y en avait une juste là. Parfait, on a les deux dernières. On a les deux dernières, c'est bon. Wouh! Faites du slip. On aura pris quelques dégâts dans le bassin. Alors. C'est bon. Cool. Bon, on aura fait une bonne action. Ça change. Hop là. Extincteur, je prends toujours, ne sait-on jamais. Bon. Alors, je vérifie quand même qu'au niveau des codes, on n'ait rien de plus. Accès au labo, non. On n'a rien de plus pour le moment. Bon, bah, fuite alors. Fuite. Rien du tout ici. Pas que ce soit un véritable problème. Je cherche juste un endroit plus rapide. Il me semble qu'on avait une sortie par là. Me trompe-je? Il semblait aussi avoir... bien géré dans... Attention quand même. Il pourrait peut-être y avoir une autre zone dedans. Si c'est
Qui c'est, qui c'est? Apparemment, c'est pas le cas, hein, quand même. Mais... Bon. Tant pis. Si j'ai loupé quelque chose, dites-le moi dans les coms, chers amis. Comme d'habitude, vous savez que je suis toujours là à vous écouter. Ça ne bouge pas, tout ça. Ça se bouge ou ça se bouge pas? Ça se bouge pas. Peu de chance. On respire un coup. Et on plonge. Ok. Ça, je l'ai déjà eu. Je check bien une dernière fois, en fait, hein, tout simplement. Là-dedans, je crois qu'il y a quelque chose de plus. Regarde en termes de luminosité. Il n'y a pas une chose que j'aurais oubliée. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mis à part la porte, vous savez. Oh, c'est par là! C'est par là qu'il faut que je rentre avec le prone, sans doute. Waouh, je viens de comprendre. C'est sans doute ici qu'il faut que je vienne avec le prone. Ok, d'accord, je l'avais pas vu comme ça. Alors, normalement. Alors déjà, je suis surpris. Merde, mes peepers doivent être morts. Non, il est encore en vie. Peeper, déjà, de base. On fait gaffe. On pourrait trouver dans le coin. Je crois que je fais bien. En espérant que deux peepers soient suffisants. Je te vois! Je te vois! Je te vois et tu viens me chercher! Bah viens, écoute, viens. Viens te la mettre. Mange mon truc. Viens, je t'attends! Viens! Viens! J'ai pas peur de toi, moi! Là-bas? Tu veux venir me voir ou pas? Viens, je te fais des appels de phare. Non? Eh bien, viens. Aïe. Non? Oh, si t'as peur de moi, écoute, y a pas de souci, hein, mais pas bon. Ce qui veut dire que tout à l'heure, j'étais vraiment pas loin de me faire bouffer, en fait, ici. Fais gaffe quand même. On pourrait venir en traître, hein. Quand on a peur de moi, on me prend en traître. Je fais gaffe. Sait-on jamais. Mais bon, sort pas trop mal. Vachement loin. Bon bah, on retourne à la base. On retourne à la base. On a récupéré plein de choses. Et je sais où choper le dernier bout de Cyclope. Ça c'est sûr, je sais où il faut aller. Tout comme je sais qu'on a un message. On a actuellement un message radio. On a Maspil aussi, ça je le sais. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faire sans doute une baie des véhicules mobiles. Ou flottante, je sais plus trop comment elle s'appelle. Pardon. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et aussi, donc sans doute le CMOS qui va avec. Vu qu'on a vraiment un bon paquet. Bien. Libéré. Délivré. Donc de ce côté-là, on est plutôt bon. On a vraiment bien fait d'être ici, de venir ici. Si j'ai loupé quelque chose, dites-le moi. Je serais ravi de... Oh là, c'est quoi ça? Full de bug. En tout cas, selon moi, on n'est pas trop... Ah oui. Faut pas le scanner, dommage. Dommage, je voudrais bien le scanner tout ça, moi. La poubelle... on avait aussi un débris que j'ai sans doute dû louper, malheureusement. On le refera une autre fois. Ah, j'espère qu'il contenait pas. Je suis complétionniste, on va dire. Je vais aller le trouver. N'est pas grave. N'est pas grave. Alors, il faut aussi qu'on cherche des herbes rouges autour. Le voilà.
On va aller le faire. J'avais dit que je le ferais sur le chemin du retour, donc je vais le faire. Réparation. Pour ouvrir une porte sur le haut. C'est ça. Hop. Avec un peu de bol, ce sera un système de piles ou de batteries. C'est pas du tout ce que je peux y trouver ici. Je vais être avec vous. Là, apparemment, rien. Oh, je vais me paumer. Eh ben, rien. Moi, fusil à Stas, j'ai rien dit. En faut deux. S'il te plaît, fais pas ton radin. Alors s'il est pas là, c'est que l'autre est sans doute dans l'autre pièce et que je l'ai loupé. Fragment de Sea Glide. Ça reste pas. Remontons. Il doit y avoir le reste du fusil à stase à côté. Pas possible autrement. Ce jeu est bien fichu. Normalement, il est pas comme ça. Pas radin. Un peu quand même sur les bords, faut reconnaître. Mais pas de trop. Ça, c'est le Sea Glide. Pas normal. Le jeu, je l'ai pas connu comme ça. Avec une porte fermée qui ne sert à rien derrière. Ou alors il est autour. Le reste du fusil est autour. C'est possible aussi. Possible aussi. Hop. Non, je pourrais y avoir fouillé moi là-dedans. Sea Glide, pas intéressant. Ici, rien. Hop. Un truc qui fait de jolis bruits, t'as dit. Hop. Rien là-dedans. Sea Glide, toujours, donc c'est pas intéressant pour nous. Vu qu'on l'a déjà. Sea Glide encore. Et ou alors la suite n'est pas ici, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que je me trompe. Et des films. Quoi je dire? Je suis feignant. Mais bon. Quand même, c'est bizarre. Quoi? Diastase. En tout cas, s'il était là, il serait bien planqué, hein. Clairement. Bah, je l'ai pas trouvé. C'est joli hein, comme bruit, j'adore, hein, mais. Tant que je sais pas trop ce que c'est, ça m'inquiète. Ok, bon bah. Étrange, bazar, bizarre, et je dis bizarre comme c'est bizarre. Il y a des débris ici. Oh mon petit cœur. Oh. Oh. Oh, je les ai tous vus s'ouvrir. Oh les enfoirés. Oh. Oh mon cœur a pris cher. Oh mon cœur a pris très très cher. Oh les enfoirés. Oh la vache. Tout ça pour rien en plus, hein. Il y a quelque chose là. Machine à café. Oui. Voilà. Ça t'apprendra, jeu.
le meilleur truc du monde, le café. C'est faux, hein, c'est un des mon abon en fait finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. T'inquiète. Waouh. Oh, la crise cardiaque quoi. Pfff. On l'a frôlé. C'était pas loin. Au nom de Dieu. Non, franchement, on a vraiment frôlé la crise cardiaque. Hein. Là, je veux pas dire, mais... C'était pas loin. Oh, nom de Dieu. Oh, j'ai du mal à m'en remettre. Oh, la vache. Wouhou. Maintenant que je fais ça, maintenant, à chaque fois, je vais y penser. Hein. C'est fini. Plus jamais. Oh, la vache, la crise cardiaque. Oh... Je suis désolé, hein, ça peut paraître bizarre, hein, mais je peux vous dire que j'ai vraiment eu les boules. Oh. Maison. Maison, tu m'as manqué, maison. Bon. Lubrifiant. Lingot de titane. Tout ça, je l'ai. Donc, c'est parfait. 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 Ce qui veut dire que dans le prochain épisode, normalement, je suis censé pouvoir commencer ma base. Donc peut-être que finalement sur une session je vais faire 4 épisodes cette fois-ci. Rarement. C'est rare que ça arrive mais ça va être nécessaire. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vous laisse les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Elle était un peu plus longue que d'habitude. C'est fait exprès, c'était pour faire tout l'Aurora ou presque. Le premier passage à l'Aurora qui était assez gigantesque. Salut les gens!